Allez, la première demi-finale dans cette catégorie des boys, 2006-2007 avec Zion Lemay. Mais Enzo Zonka, oh, Enzo Zonka est impressionnant. Le pilote Enzo Zonka qui a pris le meilleur. Ouais, il a glissé un petit peu, Zion Lemay en deuxième position. Zion Lemay en deuxième position alors que la troisième place elle est pour Léo de France. Et Tim Gomion est là. Et il me semble que c'est Tim Gomion en quatrième position, mais il y a eu du changement. Ouais, Enzo Zonka en première position aux couleurs fly du team national BMX Besançon. Zion Lemay, cinquième des championnats du monde en deuxième position, alors que c'est bien Léo de France à la troisième place et la quatrième position. Et avec Clément Rocherieux, Clément Rocherieux, le vainqueur du TF BMX Benjamin, qui va se qualifier pour la grande finale. Allez, deuxième demi-finale, les Chili Boys 2006-2007. Et on va voir comment les choses vont se décanter. 40 secondes, 450 mètres de piste pour en découdre et essayer la plaque 014. C'est Monsieur Bielli, Alessandro Flam Italia. Et c'est lui qui prend la tête des opérations. Il rentre en tête dans cette deuxième ligne. Il est suivi de la plaque 67. C'est Bretin Miola, Arthur Dubéli, ZTT, Dardy, Limonaire. Et il y a la plaque 51. C'est Torres Jules, la VBM, Bollier Mander, Meikoun. Il est en troisième position et on va voir la quatrième position. C'est tout simplement la plaque de la Hog Enzo Saint-Etienne qui va se voir qualifier pour...